Donc, je suis parée. Il est tôt, évidemment. Évidemment. Bébé. C'est comme ça. Bon, alors, j'ai fini. Vous aviez vu les deux premiers. Et j'ai fait les deux derniers. Voilà. Je vous montre un peu plus près. Là, j'ai pas voulu cacher le papillon. Voilà. Puis l'autre, bah, tout est caché. Donc, c'est un petit fond. Voilà, voilà. Et je voulais vous montrer. Alors, si ça tient. Voilà. Je voulais vous montrer le junk journal avec les napperons. Donc avec les napperons, voilà, ça va donner ça. Une feuille. On commence par une petite poche de napperons. Donc il y en a quatre différents. Hein. Celui-là c'est un 9. Oui, c'est un 9. Il y a mes pages teintées. Les enveloppes plastifiées, là. Alors, je fais un appel au timbre. S'il y a quelqu'un qui peut m'envoyer des timbres... Je m'en fiche de quel. Mais pour cacher tout ça, quoi, il va falloir que je recouvre le maximum. Donc, hop là, ça glisse. Donc voilà. Là, on arrive sur un napperon rectangulaire. J'ai voulu changer un peu. Alors, que je le remette. Voilà. Un napperon rectangulaire. Ça, c'est un 9 aussi. Donc, ah oui, j'ai mis des pages bien esquintées hein, aussi, hein, parce que je les ai massacrées en les retirant du bain. Là, c'est un ancien napperon, donc plus fin et un peu plastifié. Donc, c'est ce que j'ai retrouvé dans le placard, voilà. Des enveloppes esquintées, griffouillées. Et là, c'est un napperon rectangulaire que j'ai retrouvé aussi dans le placard. Mais rectangulaire en long. Donc ça fait pas mal en fin de compte. Ça fait, on peut mettre deux choses. Voilà. J'enlève le petit... La Kira qui se manifeste alors qu'il est 5h du matin. Voilà. Donc, les petits moules que je vais coller à la moitié hein, pour qu'on puisse mettre quelque chose dedans. Donc, les feuilles esquintées. Alors là, je tenais à les mettre. Parce que bah, je me suis embêtée à les faire. Je me dis, même si elles sont esquintées, là j'ai mis un bout de scotch pour l'esquinter plus. Même si elles sont esquintées, et ben ça va faire la même chose quoi. Là il va falloir que je relie le livret. Et donc on retombe après sur les mêmes, mais à l'envers quoi. Et dans l'autre, j'ai fait à peu près la même chose. Donc le milieu, en fait, ce sera celui qui est relié déjà. Ce sera celui qui n'a pas de... Celui qui n'a pas de napperon. Cherchez le mot. Et donc on retombe sur un qui a des napperons. Comme ça, c'est équilibré. Voilà. Et donc, quand on le met... Quand on les met dans le folio, ça dépasse à peine. Voilà.
plier. C'est tout à fait faisable. Voilà. Donc, ça va donner, si j'arrive à les mettre comme il faut, ça va donner à peu près ceci. Voilà. Bon, de toute façon, j'y ferai attention. Hein. C'est quand même le premier. Après, j'ai les décorations à faire. J'ai les reliures à faire. Et les décorations après. Alors, excusez-moi, j'ai tout petit problème de peau. Je dois manquer de vitamine A. Donc, quand on manque de vitamine A, il faut prendre, faut manger des avocats. C'est bon à savoir. Quand on a des mains qui pèlent, c'est un signe de manque de vitamine A. Donc il faut traiter les mains déjà avec une crème et manger des avocats. Voilà, une petite astuce que m'avait donné mon médecin au ou que j'avais depuis l'âge de 16 ans. Donc là, je sais pas trop quoi faire. Si je fais un marque-tapage ou une espèce de marque-page, mais relié. Ouais, j'aimerais bien. Mais alors, qu'est-ce que je vais mettre que je pourrais mettre avant le blanc, parce que ça, c'est le gris, ça ira pas. Kira, tais-toi. Ou alors du jaune comme la page. Du jaune comme la page. Oh, j'ai le scotch qui veut pas me lâcher. Je vais me faire tuer par les voisins. Alors. Que je regarde, que je regarde, que je regarde comment que je vais m'y prendre. Donc ça, il faut le mettre au milieu, longueur. Ouais, bon, je revérifie. Milieu. Je mets dans les pages. Longueur. Ah oui, c'est tout à fait autre chose. Ça. Hop là. Jusque là. Je sais pas où je vais. Tout ce que je sais, c'est qu'il faut que... Oh, j'ai encore perdu mon briquet. Et de quel sens? Le sens là. Ça, j'aimerais bien mettre un... Tais-toi ! Mettre un pompon. Faire un nœud.
ça tient. Voilà, de ce sens-là. Faites pas attention, le carton c'est un peu désagrégé. Je vais mettre un. Oh, pardon. Je vais mettre un bout de double face. Un petit. De toute façon, il y aura de la. Voilà. Il y a du relief, donc je m'attends pas à un truc parfait. Voilà, voilà. Alors, est-ce que je fais un autre nœud? Devrait pouvoir se faire. Voilà. Ah, le faites pas, ça fait mal aux dents. Perdu. Voilà. Comme ça tombe pile poil. Alors, oui, ce que je veux faire aussi, c'est mesurer et mettre les. Faire des traits par rapport au à la position des livrets. Alors, ma règle, crayon, alors j'avais dit 2,5 cm, ça fait un peu beaucoup, hein. Je vais mettre 2 cm en bas. Ça c'est pour placer les livrets. Et pareil de l'autre côté. Plus là, donc on a à peu près 4 cm, donc c'est pareil, 2 cm. Alors, 4 cm, 1, on place au milieu. Même pas 4 cm, donc on place au milieu.
comme ça. Voilà. Ça, c'est quand je vais coudre les livrets. Je sais sur quelle ligne me placer. Voilà. Ça va être régulier. Voilà, voilà. Et avec le marque-tapage. Voilà. En ce qui concerne la reliure, je ferai hors caméra parce que là c'est trop costaud à faire. J'ai un point dans le dos. Pardon. Difficulté de respiration devant 4 personnes. Ça me brûle, c'est l'estomac ça. Bon, pourtant j'ai pris quelque chose. Après, ça sera décoration des livrets. Je vais pas les vieillir. Les feuilles sont déjà assez vieillottes comme ça. Et j'ai fait des trucs assez qu'est-ce que je pourrais faire qu'est-ce qui me reste là? Noir blanc et l'autre il est où? Ça c'est un mystère. Ça c'est du calque. Il m'en reste. Ah, il est... Ah non, il y en a deux. J'allais dire, il est super épais. Je vais faire des pochettes. Ouais, d'accord. Mal les choses. Donc, plié en deux. Et là, je vais prendre la perforatrice, la placer au milieu.
Bah mince alors. Elle est coincée ou quoi? Ah oui, elle était coincée. Ah bah dis donc. Pas combien j'en ai, on va faire 4. Ça sera largement suffisant. Il faut être costaud, hein. Voilà. Et ça, je vais le placer dans les livrets. C'est ce que je voulais faire, mais par contre, il faut que je les ferme. Je vais les fermer comment? À la colle. Donc ça, c'est fait. Ça me dit pas. Où est mon papier? Déjà collé ça. Cherche mon autre papier comme ça. Celui que j'ai colorisé. Alors, où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai pas mis là. Il doit être par là. Mais je le trouve pas. Je crois que j'avais encore des feuilles craft dedans. Punaise.
tapis. J'y ferai plus tard. Bon, je vais mettre une pointe de colle pour sceller les parties là. Je sais pas où ça s'arrête. Voilà. Oui, évidemment, ça se met mal. Bon, c'était comme ça, c'était comme ça. Une. Deux. Le 4. Il ne peut qu'attendre que ça sèche. Donc ça c'est fait. Je voulais faire des choses en craft, mais
au moins d'en prendre dans celui-là. Ça serait bête. Voilà, moi c'est pas vieilli, donc là c'est vieilli. Voilà. Alors j'ai les robes, j'ai le. La décoration en 3D. J'ai le manteau. J'ai des cartes à glisser dans les pochettes. Après ça va être au feeling hein. Parce que je vois pas trop ce que je peux faire de plus. Ça je vais pas mettre des lapins de Pâques. Oh là là. Misère. Après j'ai les décos. J'ai assez de choses. Après, je verrai s'il manque des trucs, je ferai des formes comme ça. Ouais, pour l'instant, donc c'est pas monté. C'est quoi ça encore? Tant que c'est pas monté, je vois pas quoi faire de plus. S'il y a une plaie qui me plaît bien là. Voilà, ces petites clés là me plaisent bien. Alors, après, je vais voir si j'ai pas le cadenas. J'ai deux cadenas, mais c'est pas cela que je veux. Voilà, là j'en ai un. Ces deux là sur le moment. Bon bah décidément c'est une chose. Ensuite, est-ce qu'il y en a dans celui-là? Non.
Ben non. J'en ai plus qu'un. Mais ça sera de comme ça. Sur quoi je verrai pardon, je verrai sur quoi. Oh, ça c'est, je suis désolée pour ma voix là, c'est le pollen. Bon, ça va être trop gros pour les clés. Non, on peut y arriver. Une cordelette comme ça. Après là, ça passe. Accrocher après. C'est pas égal, j'ai mis très aux mêmes dimensions. Voilà.
les nœuds. Des idées de déco. Après, je fixerai ça. Et ça donne ça. Des petites breloques. Celui-là. Puis les autres. J'ai pas d'autres idées moi pour l'instant. S'il pouvait s'arrêter lui là. Kira! Kira! Tais-toi! Rien en plus. Bon. Si ça pouvait se remonter. Voilà. Je fais attention parce que le téléphone est branché. Voilà. Et il embarquait tout, le fil. Je vous remonte un peu. Voilà. Bon bah voilà, donc j'ai pas relié les livrets et puis fermé le tout. Je fais glisser les enveloppes en calque. On va pas dire que c'est du vélum parce que c'est pas du vélum. Mais bon, le calque y ressemble beaucoup. Ça fait ça, transparence, ça fait pas mal. Maintenant qu'ils sont à peu près secs, je vais y mettre après et puis voilà. Bon, bah c'est tout pour aujourd'hui. Hein. 45 minutes. C'est bon. Je vous dis à bientôt.